Frogs, je suis actuellement devant une ancienne prison au Japon, celle de Kanazawa. Ah, trop stylé les prisons hein. Quand bah même, alors, c'est plus beau au Japon, regardez, bah là, elle est en bois, c'est un peu joli. Gros, là, vous allez voir que c'est le pire truc du Japon, c'est ces prisons, frère. Non, mais là, tu sais que avec la gueule de la prison, terrifiant du pays, quoi. Il y a des gens qui sont dit premier degré. Oui, bah, attends qu'ils entendent comment ils vont vivre dedans et tu vas voir, ils vont changer. Ah, tu l'as déjà vu la vidéo. Hein, je l'ai pas déjà vu, j'ai déjà vu 40. Il a déjà vu la vidéo. J'ai vu 40 vidéos sur le Japon, frère. Mais justement, je dis rien. Je tease. Je n'ai pas vu la vidéo. J'en ai vu d'autres, des vidéos. No fun, hein. Exactement. J'en ai vu d'autres, des vidéos sur les conditions, celles de Tev et d'autres. La malle, pas la malle, hein. Juste un whip de merde. Après, voilà, vous êtes tous racistes anti-asiatiques, Kanazawa Prod. Je suis le seul à m'intéresser à l'Asie. Non, t'es un whip de merde, frère. Non, parce qu'il n'y a pas que ça qui m'intéresse. Contrairement à vous, c'est juste... Ce continent n'existe pas dans votre tête. Il me casse les couilles avec son Japon de merde, ah ouais. Il s'agit d'une prison de l'ère Meiji, mais ce qui est intéressant, c'est que cette prison, c'est le clone d'une prison, celle de Abashiri, tout au nord du Japon. Elle est connue pour ses anciens traitements très difficiles et ses règles démesurément strictes. Elle est un peu stylée, la prison. Allez. Mais c'est vrai que c'est vraiment, vous êtes des weebs complètement décérébrés, quoi. Alors, en vrai, vraiment, c'est vraiment le même où tu prends une photo de random banlieue française, tu rajoutes un panneau en japonais, vous êtes assez beau. C'est plus beau que la France. Bah ouais. Ah, le nombre de gens qui sont après, moi, j'aime la banlieue française, je la trouve belle aussi, donc je suis cohérent. Mais en gros, n'importe quoi. Quoi n'importe quoi. Tu suis ce que le Japon, frère. Quoi Alors, si depuis l'ère Meiji, les règles ont bien changé, le pays du soleil levant reste tout de même très connu pour son système carcéral extrêmement astreignant, aux limites des violations des droits de l'homme. Carrément, il a mis une veste de prison. J'avais pas vu ça depuis Samir et Wissam qui avait fait ça. Ah oui, c'est vrai que c'était incroyable. Le retour après le ban, après que Samir ait donné son adresse pour se taper à des mecs. Ils étaient là, on comprend pas pourquoi on s'est fait ban. Est-ce que c'est parce qu'on est antiraciste ou est-ce que c'est parce que Samir donne son adresse à chaque mec de droite pour le taper? Je sais pas, peut-être que l'autodoxine est interdit. La sécurité ici, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus approuvé, que ça soit dans la vie quotidienne ou encore dans les affaires criminelles. 96% des homicides sont des affaires résolues par la police. Et malheureusement, c'est parce qu'ils forcent. Du coup, que les gens avouent, même quand c'est pas eux qui ont fait le truc. Heureusement, le responsable, ce n'est pas le formidable travail des policiers. Non, les véritables responsables sont les pressions exercées sur les présumés coupables, ainsi que les conditions de détention en garde à vue qui sont bien pires. Putain, le plan. Celle des prisons japonaises. Pas de contact extérieur, pas de mouvement et réveil forcé toutes les 30 minutes. Ce formidable cocktail fait qu'il est plus facile d'expier des fautes que l'on n'a pas commises plutôt que de clamer durement son innocence. T'as vu, c'est une dinguerie hein, pour te faire avouer, frère. En vrai, hein, faudrait qu'on fasse ça des fois pour faire avouer des choses à Ilyes qui veut pas dire. Ah ouais, frère. Ah non, mais Ilyes, c'est une maladie, hein, c'est grave. Et surtout, il dit des trucs à des gens qu'il a vus pour la première fois, mais pas à nous, quoi. C'est ça que je retiens. Mais je crois qu'il parle qu'au meuf, en fait. Il ne parle pas à des gens. Ça, c'est sa misogynie, frère. Non, je pense que son côté mec, sa masculinité toxique, en fait. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir les règles immuables dans ce lieu où personne n'a envie de finir. Bienvenue dans l'univers carcéral au Japon. Ah, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais clairement, vous n'avez pas eu de chance à votre procès. Qu'est-ce qui a pu... Il joue aussi mal que moi. Vous amenez ici. Ne répondez pas. Première règle dans la prison japonaise, c'est que vous n'avez pas le droit de parler. En tout cas, pas sans y être autorisé. Moi, pourquoi je parle? C'est parce que je suis qu'une voix dans votre tête, voyons. Personne, mais dans la majorité des cas, les prisonniers sont... Allô? Il a vu des lumières, il veut tuer pas comme c'est quoi l'histoire, là? Parler entre les détenus, c'est interdit dans les prisons japonaises. Alors rassurez-vous, la loi du silence n'est pas toujours de mise. En théorie, il existe trois exceptions. Au moment de l'exercice, au moment du temps libre et au moment de la pause. Alors ça, comme je vous l'ai dit, c'est la théorie, mais dans la pratique, c'est bien différent. Parce que le moment de l'exercice, ça ressemble à ça. Vous parlez, hein, mais vous ne choisissez pas ce que vous dites. Le but, c'est de faire des mouvements en répétant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui veulent littéralement dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en japonais. C'est un classique de l'échauffement à la japonaise, et c'est d'ailleurs le même dans les écoles. Et entre les mouvements, vous pouvez... Vous voyez que les écoles, c'est des prisons. ...éventuellement chuchoter avec vos voisins. Ensuite, le temps... Quoi? Mais c'est éclaté? Libre du prisonnier, c'est entre 18h et 21h. Eh bien, là aussi, les prisonniers sont invités à étudier pour se préparer au mieux à la vie extérieure. Donc pas de vraie discussion. Le seul véritable moment, c'est... Hein? Mais non, c'est un effet d'Emeric. Mais non, mais dans l'image, il y a une télé, Dani. Et pour se préparer au mieux... Mais il est con, ce mec. Mais
Et t'es complètement con, c'est grave. Waouh. Ah ouais, déjà que tu fais semblant d'être surpris. Quoi, la vie extérieure. Donc pas de vraie discussion. Le seul véritable moment, c'est le temps de pause, juste après les 13 minutes de repas chronométrés. Ah mais je sais où tu l'as vu pendant qu'Emeric il montait la vidéo au bureau. Bah non. Waouh. La seule fois que j'ai vu Emeric, c'est Dark Sun, tu faisais du mix de Zawasan avec lui, frère. Bizarrement, dans les reportages effectués par des compagnies étrangères, là, on a un temps de pause qui est de 40 minutes. En revanche, lorsque le documentaire est tourné par des équipes japonaises, alors là, le temps de pause descend à moins de 10 minutes. Tu dois les attendre, hein. Après, à l'école, c'était pas un peu ça aussi? Genre, t'es enfermé une heure et t'as le droit à 15 minutes de récré, quoi. Ah, après, récré. On parlait de fou pendant les cours. Oui, un peu, mais bon. La récré, gros, tu te rappelles? Et puis, il y avait la récré, oui, de fou, et il y avait la pause du repas, quand même. Aussi. Oui, ça, c'est... oui, non, mais la récré, frère, comment c'est le truc que t'attends le plus? Mais moi, j'aimais trop, c'était quand tu changeais de classe, parce que t'avais 5 minutes de récré, un peu. Ce qui était horrible, c'est quand tu restais dans la classe. Et moi, ça, j'avais eu ça dans ma seconde spéciale là, qu'ils avaient fait parce qu'on était des merdes, là. Ah oui, t'avais pas de changement de classe, non, du coup. Non, non, les pas... profs ah venaient ouais, dans notre ça, classe. C'est l'arnaque, ça. Ah, oh, c'était horrible, frère. Et on était surveillés par l'autre prof tant que l'autre arrivait pas. Ah ouais. Le cauchemar. Et on devait se lever quand le prof arrive et tout. Ah, le cauchemar. Et si vous êtes étranger, l'interdiction de parler peut même aller plus loin. Car dans les prisons japonaises, il existe une autre règle concernant la parole. Seul le japonais en tant que langue doit être utilisé au sein de la prison. Oh putain, t'es dans la merde, c'était pas japonais. Hein. Mais de toute façon, les japonais, ils parlent pas anglais, non? Oui, c'est vrai. Si la personne qui vous rend visite ne parle pas japonais ou que vous-même, vous ne parlez pas japonais, eh bien, dans ce cas, on vous demandera de rester silencieux au parloir. Techniquement, cette règle existe également dans les prisons françaises, mais c'est assez facile de demander une dérogation. Ce qui, vous vous en doutez, n'est absolument pas le cas au Japon. Attends, au Japon, en France, t'as le droit de... Ah bah oui, c'est pour éviter... Ah, en fait, c'est pour éviter que tu dises des trucs dans une langue étrangère que la police peut pas comprendre, j'imagine que c'est ça. La seule solution illusoire qui est proposée aux prisonniers nippons, c'est de payer un traducteur. Et si je dis illusoire, c'est parce qu'elle entraîne une quantité absolument folle de documents et d'autorisations à obtenir, qu'en pratique, elle est totalement inutilisable. La phrase de Claude Jasmin en ce qui concerne les prisons japonaises ne peut pas être plus vraie. La pire des prisons, ne pas pouvoir s'exprimer, s'expliquer. Avec son ton fake deep, ouais, ça me donne beaucoup la de plaisir. Pire des prisons, ne pas pouvoir s'expliquer. Pas compris, non mais vous êtes, par contre vous êtes con. Après juste là vous êtes débile, c'est en tout. En fait vous c'est dès débile. Qu'il y a une phrase un peu dit sur un ton deep, votre cerveau il fait un refus catégorique de réfléchir quoi. Vous êtes en mode, oui, j'ai pas compris. J'ai pas compris, mais attendez, vous êtes plein à pas avoir compris là. Ça dit juste que la pire prison, c'est de pas pouvoir parler. C'est que quand tu peux parler, globalement, c'est bien de s'exprimer. C'est tout. Voici le planning de la journée d'un détenu japonais. Vous constaterez qu'il y a beaucoup... Ils font que travailler, en fait. Ah ouais. C'est horrible. Beaucoup, beaucoup de temps consacré au travail. C'est une obligation. Tous les prisonniers japonais doivent travailler pour un total de 7h20 par jour. Pour ce qui est du travail en lui-même, il y en a plein de différents. Tous utilisent des outils qui pourraient servir à une évasion ou à blesser autrui. Mais au Japon, l'ordre et les règles sont tellement solides que personne ne cherche à tenter quoi que ce soit. Et pour... Quoi ? Tu fous certains de nos braqueurs français, là ? Ils sortent en 2 minutes, hein. Voilà la malle de la France. Regarde, Carlos Ghosn, il s'est échappé dans une malle, hein. C'est vrai, hein. Oui, parce comme qu'en fois. Fait, ils vérifient pas là-bas. En fait, comme mais là-bas, personne fait de conneries, c'est trop facile, quoi. Pourtant, mais ça se trouve, en fait, tu te fais pas arrêter. Ça se trouve, le jour où il y a des flics qui arrivent, juste tu cours. Oui, ils oui. Te poursuivent pas, quoi. Mais c'est ce que m'avait dit un pote là-bas quand j'avais plus de ticket de métro. Il m'a dit, mais fraude, frère. Et je lui ai dit, ouais, mais il y a les petits portiques qui se ferment. Il m'a fait, mais frère, fraude. Et tu sais, en fait, il y a tout le temps des agents de sécu à côté des portiques. Et je lui ai dit, ouais, mais c'est un peu chaud. Il me fait, mais frère, t'as cru qu'on était à Châtelet? Genre, à Châtelet, les gars, ils savent courir. Ici, ils savent pas. Il y a jamais personne qui fraude. Donc, il va faire, ah non. Il va devoir, tu peux y aller juste, tu vas en marche rapide. Il a fait ah non. Je pense à une Asie en même temps. Oh, ok. Voilà. Mais c'est hyper t'as facile. De manière bizarre un peu, je trouve. J'ai fait ça. Faire un screen. Non, juste avant, t'as vraiment fait un salut nazi. Je te jure, t'avais le bras tendu en mode ah non. Pourquoi tu m'en veux? En mode les forces de l'accent. J'ai rien fait là. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il m'en veut comme ça là dans cette vidéo? Je me fais 100%. Attaquer. Vous l'avez vu les gens, on est d'accord. Après la moustache. Ah, je vais me faire la barbe de la fouine, comme ça au moins plus personne pourra voir que j'ai une moustache nazie, hein. J'ai décidé. Pour ceux qui travaillent dans les entrepôts, il est interdit bien sûr de discuter avec son voisin, interdiction de flâner, et surtout interdiction de regarder pendant trop longtemps les fenêtres.
ça pourrait vous donner une image de « je veux m'évader ». Et en fait, cette dernière règle concernant la fenêtre, elle s'applique à toute la vie d'un prisonnier, à chaque instant. Vous ne devez jamais regarder pendant trop longtemps l'extérieur. Mais en vérité, quoi ? Ce n'est même pas le plus difficile, parce que certains détenus n'ont pas le droit de sortir de leur cellule pour le travail. Dans le rapport d'Amnesty International de 1998, on nous rapporte un prisonnier, Yoichi Isoe. Au moment de la rédaction du rapport, c'est un prisonnier depuis 1982 et il ne peut pas sortir de sa cellule. Il travaille depuis l'intérieur, il est tenu de s'asseoir dans une position prescrite par le règlement, il n'a pas le droit de s'étirer et encore moins de s'appuyer contre le mur. Wow, gros, c'est ta vie, c'est inhumain. Décidément, c'est bien différent de la France, et pourtant, en France aussi, les prisonniers travaillent. Sauf que la grosse différence, c'est que c'est sur la base du volontariat. En France, il y a même plein de gens qui aimeraient bien, mais qui arrivent pas, qui peuvent pas travailler, etc. quoi. La différence, bien sûr, c'est qu'au Japon, 99% des prisonniers travaillent, alors qu'en France, on est à seulement 30%. En fait, j'ai même presque du mal à comprendre pourquoi ce n'est pas rendu obligatoire, parce que dans la Constitution française, c'est écrit que le travail est un devoir, et que l'emploi est par contre un droit. Parce qu'une fois dehors, les études ont prouvé maintes et maintes fois que c'est beaucoup, beaucoup plus simple de se réinsérer dans la société lorsqu'on a travaillé en étant en prison. Et de surcroît, vous pouvez même être rémunéré lorsque vous êtes prisonnier. Oui, bon. Les avis... En après, France, paye ta rémunération. Hein. Et on l'a chance de toucher 45%. C'est 1 euro, 1 euro 5... 45%. Mais c'est que dalle. Du SMIC horaire brut. Et si je dis la chance, c'est parce qu'au Japon, on n'est clairement pas logé à la même enseigne. 3000 yens par mois, l'équivalent de 18 euros. 18 quoi balles par 18 mois 18 euros. Après, toi, fais pas genre, tu le savais déjà, tu l'as vu la vidéo. Après, t'as un peu le même avis que Louis-San, quoi. En mode, ah bah quand même, en France, c'est quand même le paradis, quoi. C'est quand même le Club Med à côté du Japon, où là, c'est vraiment difficile, quoi. C'est grave de penser ça. Oui. C'est ce que je pense. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que c'est tous les jours comme ça jusqu'à la libération ? Eh bien la réponse, c'est que les week-ends dans les prisons japonaises, ça n'existe pas. Par contre, les vacances, il y en a. Dans ces moments-là, les temps libres sont augmentés, le travail est suspendu, et même la discussion entre détenus devient plus facile. Ah oui, et les passages aux toilettes sont rendus plus libres aussi. Parce qu'en dehors des maigres vacances, aller aux toilettes lorsqu'on est un détenu au Japon, c'est assez spécial. Ah oui, ça... Je ne sais pas si... Ça, je crois que c'est ça l'horreur, c'est que t'as pas le droit d'aller aux toilettes sauf à certaines heures. Waouh, il a tellement vu la vidéo. Mais j'en ai vu d'autres. Il a dit, ah ouais, je me rappelle de ce passage-là de la vidéo, ah oui. Ah oui, ça c'est vraiment horrible parce qu'ils ont pas le droit d'aller aux toilettes. Là, bien sûr, on est avec le matériel de l'ère Meiji, mais même encore aujourd'hui, les toilettes sont apparentes dans les cellules, directement incrustées dans le sol et à la vue de tous les autres co-détenus. Et en dehors des horaires de repas et de pause, il est nécessaire de demander la permission aux gardes. Quoi ? Il y a beaucoup de prisons en France, c'est un peu la même. Hein. Bah, de toute façon, les prisons, c'est globalement horrible. Hein. Mais je pense que le Japon... Bon, en France, ça va, parce que le travail n'est pas obligatoire. Ça devrait être obligatoire dans la loi française, le travail est un devoir. Je sais pas, c'est votre avis avec lui, ça, non ? Ouais. Faire du travail forcé, quoi. Ouais, ouais, moi j'aime bien. Bah, de toute façon, gros, c'est bon, ils avaient qu'à pas faire de délit aussi, les criminels là. Ils avaient justement, moi avant. Je pense que ça serait bien qu'on fasse un peu comme Japon là, que ça leur apprendrait. Ferait peut-être moins de conneries, tiens. Pour venir aux toilettes, vous voyez bien qu'il n'y avait littéralement aucune intimité, et ça pour le coup, ça n'a pas changé, et vous avez intérêt à l'utiliser très proprement. Parce que de toute manière, le nettoyage, il est géré par vous-même. Ah, c'est horrible de chier dans la même pièce où tu dors et qu'il y a d'autres gars! Qui peuvent chier dans les toilettes de ta chambre. Non, oh, devant après, toi. Je trouve c'est... Après, je trouve ça moins pire que pas pouvoir parler, pas pouvoir regarder par la oui, fenêtre. Bah oui, 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 qui t'a choisi. La journée pour 2 centimes. Dans ce qu'angoisse Dani, c'est de pas pouvoir faire caca tranquille. En vrai, c'est ultra angoissant. Avec le reste, ça fait partie de l'horreur, quoi. Bah, si je devais choisir, c'est convivial. Je préférerais faire caca devant tout le monde. Le chat, gros, il y en a, ça les fait kinker un peu. Moi, j'aime ça voir des gens faire caca. T'as vu leur avis ? Et juste... Pof, tu habites dans le Crous. C'est vrai qu'au Crous, tu vis un peu ça. Hein. Mais après, au Crous, au moins, tu peux parler, quoi. En parlant de nettoyage... En France, on déplore un manque d'hygiène dans les prisons. Laissez-moi vous dire qu'au Japon, ce n'est pas du tout le cas. Dès le lever à 6h45, les prisonniers sont tenus de nettoyer l'intégralité de leurs cellules. Finalement, ça ressemble beaucoup à ce que les élèves japonais doivent faire dans leur salle de classe. Mais en fait, il fait que dire que l'école est une prison, sans s'en rendre compte. C'est Michel Foucault. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sont tous les trois préparés par les détenus. Et ça en fait c'est à tour de rôle, on appelle ça des tobin. Et c'est exactement le même système dans les écoles japonaises. Et servir de la nourriture aux autres, il ne faut surtout pas prendre ça à la légère. Il faut bien faire attention à ce que les quantités soient égales pour tous.
tout le monde. En fait, c'est ça que vous voulez, la gauche. C'est ça votre rêve communiste. Ah ouais, une cantine géante avec des tickets de rationnement. Ah ouais, vous voulez vivre dans l'université de Bernard Friot à faire ça, quoi. Il n'y aura que Bernard Friot bien payé. Une semaine, on passe le balai. Une semaine. Ah ouais, c'est ça votre idéal de gauche, quoi. Bernard Friot, il aura 6000 balles par mois à se gratter les couilles dans son bureau. Ah, je garde le libéralisme, gros. Je garde le capitalisme quand je vois ça. L'arnaque, hein. Les gardes qui rééquilibrent eux-mêmes les quantités si nécessaire. Vous pouvez trouver ça... Bah après, c'est des gomuscus, ils calculent... Encore une fois exagéré, mais encore une fois, à l'école japonaise, c'était exactement la même histoire. Alors maintenant, on peut se demander, qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette? S'il y a plus d'une vingtaine d'années, le menu des prisonniers différait en fonction du travail effectué, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La seule chose qui va changer, c'est la quantité de riz. Non, ça a l'air un peu bon quand même, parce que c'est japonais, c'est dans un bol. Il a des baguettes, ça a l'air bon. Ça a l'air dégueulasse. Il le mange avec des baguettes, c'est un peu un don pourri. Je suis fan. Bon, oh, tu m'as donné envie d'aller. Ça fait longtemps qu'il n'y est pas allé. Ah, moi, j'y retourne plus jamais. La semaine prochaine. Je il n'est pas là, Boumed. Ah, c'est bon. Plus on juge que le travail est manuel, plus la quantité de riz sera Boumed. Importante. Pour le menu, c'est du riz à tous les repas avec un accompagnement. Donc, ça peut être du curry, de la viande ou encore du poisson. À côté, on a toujours quelques légumes et c'est toujours très bien équilibré. Tu n'as que 2 heures à Paris pour manger de la bouffe de Tolarjab de fou que tu payes 20 balles le bol de merde. Alors que là-bas, c'est la bouffe des prisons. Et eux, ils se font arnaquer à payer pour ça. C'est grave. Vraiment, les Français avec le Japon, il y a un problème. Mais gros, il n'y a pas le poulet frit. C'est l'arnaque, hein. Mes frères, mais bien sûr que si, le truc là, le truc que vous bouffez, c'est de la bouffe de cantine japonaise, quoi. Mais n'importe quoi. Ça se voit, ils balancent un truc de riz et de poulet pas cuit. À chaque fois, le poulet, il est pas cuit dans ton truc. Moi, c'est ça qui me casse. À chaque fois qu'on y va, t'es trop heureux et tu dis que c'est trop bon. Non, moi, je veux plus y aller. La dernière fois, les trucs là, les acaras gros, c'était pas cuit. C'est une arnaque, ce resto. Vraiment. C'est en plus, Raz, il dit ça alors que les gens, ils passent sa vie à manger des sandwichs chauds des beaux dégueulasses. Tous les jours, je préfère un sandwich triangle que des trucs pas cuits à 18 euros. Là. Après, 18 euros, c'est aussi parce que le frère prend une entrée, 2 trucs, un dessert. Je prends le bol de trucs avec un coca. Du poulet frit, là. Jamais non, c'est le truc tout seul, là. C'est le riz avec c'est deux plus peuple. Dans n'importe balles, quel resto, il prend des trucs à 10 balles. Il fait genre, c'est le peuple, Raz, vous le croyez, alors qu'il va manger dans des restos de Macronistes. Moi, j'ai bien claqué de la thune au resto, mais il faut que ça soit bon. Faut pas que ça soit du riz dégueulasse avec du poulet pas cuit, frère, c'est tout. Et juste parce que c'est dans des bols avec des trucs écrits japonais, vous sucez, c'est tout. Mais c'est bon, frère, moi, je trouve ça bon. Ouais. Pas de nom, ni de prénom, uniquement des numéros. Alors, ça peut paraître choquant au début, et on peut penser même à une... C'est écrit. Les mannequins, ça me fait trop rire. Une perte d'identité, une perte d'humanité, mais en vérité, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est parce qu'il existe une règle pénitentiaire dans laquelle vous n'avez pas le droit de divulguer votre nom, votre prénom et votre adresse. Et c'est pas vraiment pour embêter le détenu, mais plus pour le protéger au cas où il y aurait de dangereux criminels à côté de lui. Et la deuxième raison, c'est que cette méthode de comptage, eh bien, c'est une banale méthode japonaise. Ça s'appelle le tenko, et lorsque j'étais enfant à l'école japonaise, il y avait exactement le même système. Mais donc, les écoles japonaises, c'est des prisons. Il fait que le sous-entendre. Mais après, je crois il fait exprès là. Moi du coup je trouve ça intéressant. Bon après vraiment c'est absurde, tu vois, il y a tellement de codes disciplinaires, ça devient absurde, hein. Vraiment il faut mater la série Shogun là. Gros ça montre à quel point des fois les japonais gros prêts à mourir pour des choses stupides. Le gars, pour te dire un moment, t'as le ricain, il fait une blague, il dit « Oui, retirez pas le pigeon, s'il y en a un qui retire le pigeon que j'ai accroché là, ça sera un truc, je le tuerai, quoi. Tu vois, il mérite la mort, il fait cette blague-là. » Et du coup, il retire jamais le truc alors que l'animal est en train de pourrir. Et au bout d'un moment, le truc est tellement en train de pourrir qu'il y a un vieux dans le village qui dit « Bon, du coup, moi, je vais l'enlever, il l'enlève et il se saigne beaucoup. C'est mytho, ça. Non. Et après, il revient, il fait « Mais... » ça. Mais... Non, comment ça faire ? Non mais Dani, c'est juste dans la série ça. Non mais sauf que la série arrête pas de montrer à quel point ils se donnent la mort pour R, qu'ils suivent des règles stupides, de manière trop disciplinée. Justement, ils arrêtent pas de montrer à quel point ils ont un rapport à la mort et à la discipline qui est strange et qui est beau aussi. Mais ça montre aussi la beauté du truc, mais ça te montre aussi à quel point, genre, c'est nawak quoi. Plus. Mais c'est une série. Mais c'est arrêté. Mais c'est pas parce que c'est une série. Apparemment, c'est bullshit, hein. Ils disent dans le chat tous. Hein. Dany pense que c'est un docu. Il est pas vraiment mort, c'est un acteur. Il y a trop de pressing pour rien là dans ce qu'est-ce qui se passe là. Bon, regardez la série, elle est super bien, elle est ultra intéressante et allez vous faire enculer. Selon Nota Bene, c'est bullshit. Et vous regardez les vidéos de Nota Bene. Hein. Je regarde les vidéos de Nota Bene et du coup je sais tout sur l'histoire. Pour nous autres Français, règles de vie en communauté. Pour tout vous dire, il y a même certains. Il passe le balai, il se suicide après. C'est la vie de Dany. Il se colle le pied dans une table et il se suicide. Bizarre le Japon. C'est un sens de l'honneur étrange, mais c'est beau.
Mais après, la série en parle peut-être de manière métaphorique, mais c'est intéressant. Arrêtez de me casser les couilles. Et puis ça montre aussi que les cathos, c'est des malades mentaux. Les Portugais, ils sont fous. C'est montré que tout le monde est con. Oh là là! Pierre Lerolf, il se suicide. Oh, j'avoue, Milan. Ah, mais de toute façon, la vérité, gros, on ne peut pas critiquer le Japon, c'est ça. Toi, tu te mets avec le chat, on ne peut pas critiquer le Japon. Pour eux, c'est le meilleur pays au monde, c'est impossible. Je joue à Ghost of Tsushima, c'est magnifique. Je suis avec toi. Après, t'as un peu cet avis-là, des fois. Ah, le Ghost of Tsushima, gros, même toi, j'aimerais tu banderais dessus, frère. Je suis sûr que tu banderais dessus en y jouant. D'une manière générale, dans une moindre mesure, la prison japonaise me rappelle un peu les voyages scolaires organisés. On dormait à 8 sur des... Son plaisir. Mais Thierry, en fait, il est comme nous. Il est dans une blague récurrente. De école égale prison, quoi. Oui, oui, c'est, il est vraiment... C'est, la vidéo est dans le même mood que nous, c'est précis. Hein. Ça se voit que t'as regardé la vidéo avant. Ouais. Du coup, t'as pu prévoir qu'il allait faire... Après, là, il a beaucoup critiquer le Japon, il va peut-être se séparer à la fin parce que c'est un peu la tradition là-bas. Il va dire, oh non, j'ai trop mal parlé du pays. Dans la même pièce, on avait... Ça se trouve, il se fait passer beaucoup dans la série, peut-être il se fait tuer, je sais plus moi. Le même type de réveil. En plus, c'était une fake news, mais je sais plus s'il se fait tuer. Avec le professeur qui criait à travers le couloir. Ensuite, on devait plier nous-mêmes les foutons qui étaient vérifiés par les enseignants. Les déplacements, bon, ils ne se faisaient pas non plus au pas, mais on devait marcher. Il s'ouvre le bide. À égale distance. Parce qu'il a accroché un pigeon. Non, mais vraiment. Chacun en rang. Juste avant d'aller prendre le petit déjeuner, on se comptait en criant nos numéros. Et enfin, l'enseignant décidait de déplacer le groupe vers le réfectoire. Et même quand j'y pense, les temps libres, on n'en avait pas beaucoup. Et en plus, on n'avait pas le choix vraiment dans les activités. On devait forcément faire les choses qui étaient prévues par l'organisme. Chaque minute de la journée avait été au préalable planifiée par le camp. Il dit, pourquoi il dit qu'il a été en prison? Il a été à l'école. Mais je suis un peu d'accord avec lui. Moi, je suis grave d'accord avec son analyse. En fait, c'est pour ça que moi, je comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas anti-prison. Alors que tout le monde est passé par l'école. Et que la prison, c'est pire que l'école. A priori, si t'as pas aimé l'école, comment tu peux aimer le fait que la prison existe? Après, attends, parce que ce que j'ai dit, ça veut dire que si on était logique, on devrait détester le travail aussi. Bah oui. Après, toi et moi, on déteste la prison, l'école et le travail. Ah ouais, nous, on est basés. Nous, en fait, on a le full flush. Non, on a de la suite dans les idées. Bah ouais. C'est ça. Nous, voyez, c'est ça. Dani a dit si je préfère me seppuku qu'être salarié. Hein. Alors, par contre... T'imagines pas à quel point je le pense. Wow. Là, je préfère aller au lever du soleil avec les fleurs de cerisier autour de moi. Après, voilà, bon, avant de me suicider, je vous dis, je préfère vivre dans la rue qu'être salarié, frère. Ah oui, frère, voilà. Mais non, moins, mais bien sûr, pas... oui. Mais, non, mais je par vais contre, un kimono pour me suicider. En cas de mesure extrême, on me forcerait. Je vais aller devant France Travail en kimono. Et je me souviens que même quand j'étais petit, en fait, tout ce concept de vacances extrêmement quadrillées, extrêmement organisées, ça m'avait choqué. Donc lorsque je vois ce qu'on exigeait à un enfant de 6 ans, proportionnellement, ça ne m'étonne pas de voir ce qu'on exige à un criminel au Japon. C'est pour ça que les Japonais, ils sont pas du tout surpris par ces instructions, que ça soit détenu comme citoyen. Et si vous voulez avoir le fond de l'histoire, pourquoi l'école japonaise et la prison japonaise se ressemblent sur certains points, eh bien c'est parce que les deux prennent racine sur la religion bouddhiste. Et dans l'ancien temps, les temples bouddhistes étaient à la fois utilisés pour l'éducation, donc pour l'école, et également pour les corrections, donc la prison. Ah, le chat est plus laïque, hein. Ça fait genre la laïcité à la française, mais quand c'est le Japon, ça suce. Hein. Il a dit à argument Foucault, l'école et la prison sont construits sur le même modèle. Allez hop. Ne vous allongez pas dans votre chambre quand bon vous semble, évitez de vous appuyer sur le lit ou de vous asseoir dessus. La position assise dans la pièce doit être celle indiquée sur le tableau de votre cellule. C'est, soit c'est horrible. En CSA. Donc... T'es obligé d'attendre comme ça? Tu sais, au moins, tu me fous en prison. Laisse-moi au moins ma vachière, quoi. Ah ouais. Donc sur les genoux, mais surtout, attends, moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'ils te font si tu le fais pas? Ils te mettent en prison? Ah non, mais t'es déjà enfermé dans ta cellule. Tu peux déjà pas parler. Tu peux déjà machin. Bah, tu sais beaucoup. Ah oui, tu sais beaucoup. Ah oui. Il le dit à la fin de la vidéo. Oh putain. Bon, d'ailleurs. Daniel savait. Waouh. J'en peux plus de la blague. Ça y est, elle m'a saoulé. C'est bon. Dans une chambre individuelle. Je m'y attendais à ce que tu dis ça par contre là. C'est bizarre. C'est fou. Alors, comme solution, vous pouvez toujours enfouir vos pensées dans un carnet. Mais là encore, il y a des règles. C'est horrible, gros. Comment tu fais pour écrire un album de rap? C'est le seul intérêt, moi, je trouve, de la prison. Fait, du coup, c'est terrible. C'est de te dire, bon, bah, je vais écrire un livre. En fait, c'est un pays de fou. Cynic, il aurait jamais existé grâce au Japon. Il aurait pas pu écrire de texte de rap en prison et casser les couilles. Il est trop fort, Cynic, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de dire du mal de Cynic. C'est une dinguerie. Juste pour t'embêter, en plus, j'aime bien Cynic. La fouine, je t'autorise. Cynic, c'est non. Ah, mais Cynic, je préfère mille fois Cynic à la fouine. Voilà. Non, mais quand même.
Après, la fouine, il a plus d'actualité que Cynique aujourd'hui. Hein. Bon, après, peut-être que moi, je préfère que Cynique se fasse sa vie au calme plutôt que la fouine qui nous casse les couilles à tous. Tout le monde fait semblant de bien aimer ce qu'il fait d'un coup. On ne sait pas pourquoi. Utilisez des gommes ou raturez avec une ligne pour corriger les erreurs. En aucun cas, une page doit être déchirée. Utilisez le cahier dans l'ordre des pages et ne laissez pas de page blanche. Vous pouvez diviser un cahier en deux parties et l'utiliser des deux côtés. Un carnet pour les études ou la formation professionnelle. Performance aux flammes a refait vivre ses classes. Mais c'est ça qui m'énerve. C'est que vous avez passé un an à dire les flammes, Jacques Lang, oh là là, il n'y a pas assez de trucs politiques, c'est cringe, le rap s'institutionnalise, ah ouais. Bouscapé, ah lol, ouais. Le DVM show, Rachida Dati, oh lol, les flammes, ça va être éclaté, c'est pas assez politique. Vous avez cassé les couilles pendant deux secondes, il y a une perf de la fouine. C'est dire le niveau de la cérémonie, vous avez été heureux. Ah gros, t'as tout dit. Donc au final, vous êtes des Yankees. Ah ouais. Critiqueurs et Yankees, quoi. C'est une de merde, là. Oh. Oh. Il va sortir un album éclaté, mais oui, de fou, bref. Après, il y a un feat avec la fève que je vais écouter, moi. Moi, je peux plus écouter la fève, frère. Premier dog. Hein. Non, mais c'est là. Alors, du coup, toi, t'es pareil. Ah, j'adore. Ah, c'est trop de la merde, trop de la merde, trop de la merde. Et après, quand tout le monde va détester, en fait, c'était pas si mal. Insupportable. Passer beaucoup avec un coupon, c'est sûr. Sérieusement, je me demande comment les prisonniers japonais ils arrivent à ingérer tout ça. Comment ça se fait qu'au Japon, aux prisonniers, on peut prêter des outils qui pourraient servir comme armes, le tout sans le moindre débordement et sans un nombre de matons aberrant. Oui, j'avoue, là, normalement, frère. Avec, t'imagines, moi, tu me mets assis, là, comme ils ont fait pendant un jour, et après, tu me donnes un couteau. Je pense qu'il m'en faut moins que ça pour me suicider. C'est beaucoup encore, mais c'est... Mais Daniel a dit je vais être un vrai japonais. C'est grave. Je suis japonais. Bon, je sais pas. Au moins moi le truc c'est, je sais que en prison ils te filent beaucoup facilement des antidépresseurs et tout. Au moins droguez-moi quoi. Abrutissez-moi, je vous en supplie. Mettez-moi. En fait, Razi est un peu heureux. Il est en mode oh moi. Au moins de la ça. Drogue. Ah mais gros mais ah mais vraiment. Hein. Genre moi je suis en mode si c'est ça vraiment. Lavez-moi le cerveau, je vous en supplie. Faites de moi un légume quoi. Trouve bien sûr dans l'ordre et l'organisation à la japonaise, mais pas que. Elle se trouve également dans la terreur de la punition. Est-ce que vous êtes familier avec la torture de la salle blanche ? Le but, c'est de priver l'individu de toute stimulation sensorielle. Même la nourriture est blanche. Et si il n'y a aucune séquelle physique, dans la tête, c'est une autre histoire. Au Japon, on peut dire qu'ils en utilisent une variante. Il s'agit de la keihekin, la salle de punition. Oh ouais, ce qui se passe. Tu es dans une salle de punition. Non, on fait une Azawa Prog. Salle de punition. Et on en met un au pif dedans de temps en temps. Allez, c'est toi. Ah bah. Ah non. Pour ceux qui n'acceptent pas le règlement, la punition la plus légère, c'est l'avertissement verbal. Non, là, c'est pas l'étard qui arrive dedans, là. Chaque jour, de 7h du matin à 5h du soir, assis dans la même position à fixer un mur blanc ou un mur où il est écrit « Hansei ». Réflexion. Si on ne suit pas un mur blanc les directives, on part d'un des cellules. Oh, gros, le blanc. L'isolation, on se retrouve ce qu'on appelle Shobat, donc qui est le système de punition. On l'explique où pendant 6 mois, on va se retrouver à regarder un mur. Pas de courrier. 6 mois ! Ah mais c'est pour ça qu'ils tiennent sage. Ah ouais, ils sont en mode, bon, j'ai pas envie d'être devant un mur pendant 6 mois. Au moins, je peux regarder la fenêtre de temps en temps pendant une seconde. Ah ouais, je peux trouver la tête. Les gens, mais c'est des douces et légales. Mais ah, les gens, c'est vraiment réel. C'est par abusé, contre, hein. Pour avoir le pays vu le plus stylé du d'autres monde, vidéos que celle-ci, je vous assure que c'est un des trucs les plus terrifiants. Il y a des prisons terrifiantes dans le monde, mais alors celle-là, c'est si tu refuses de fixer le mur. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Loisir. J'aime bien, vous êtes un peu Charles Bronson, là. Vous êtes giga Charles Bronson dans vos répliques. Au moins Charles Bronson, gros, jusqu'au bout. Hein. Le gars, à un moment, ils l'ont carrément, ils le mettaient dans une pièce où il pouvait juste tenir debout. Il arrivait quand même à faire de la muscu. Hein. Avec Tom Hardy. Oui, il y a eu Tom Hardy qui a fait un film qui est incroyable sur lui là. Et en gros, lui, c'est un mec. Ils l'ont, bon, il était en tôle toute sa vie. Globalement, il faisait des petites conneries. Mais en fait, c'est le gars qui a passé le plus à se faire réprimander en prison parce qu'il suivait aucune règle en prison. Il tabassait tout le monde. Il faisait de la muscu partout. Et en même temps, c'est quoi qu'il a fait ? Il a écrit de la poésie, il a écrit des guides de musculation en prison. Ouais, ouais. Non, mais il est trop stylé en vrai. Artiste de fou en vrai. Et le film est incroyable. Hein. Regardez le film, il est extraordinaire. Nicolas Vindinref, là. C'est un de ses meilleurs. Trop stylé. Performance exceptionnelle de Tom Hardy dans le rôle. Et à un moment, voilà, il l'enferme dans des trucs. Justement, ils inventent des cellules presque.
tellement le gars, ils savent pas le contrôler et il arrive encore dedans à savoir comment un peu troller les gens. Enfin, c'est le contrarian ultime. Hein. Il est trop stylé. Hein. C'est vraiment la salle qui fait l'objet de controverses concernant le respect des droits de l'homme dans les prisons japonaises. Et on peut même aller plus loin en parlant de la salle de protection. Normalement, on y enferme les détenus avec des comportements autodestructeurs en attendant qu'ils se calment. Mais pendant de nombreuses années, elle fut détournée pour simplement punir certains détenus. Car en effet, à l'intérieur, tout est matelassé pour ne pas se blesser, mais le détenu est également maintenu dans une camisole de force et il est menotté au niveau des mains et au niveau des pieds. Et... Mais non, mais c'est horrible. Ça me gratte. Ah, ça me gratte là. Mais frère, même 10 minutes comme ça, c'est horrible. Je étapes de la journée. Mais alors, des mois, des années ? J'arrive même pas à concevoir comment c'est possible en fait. Ah, même c'est le vraiment, c'est un pays de tortureurs. Hein. Et c'est là où les droits de l'homme ne sont absolument pas respectés au Japon. Mais bah attends, c'est là maintenant qu'il est choqué. Mais et c'est là, à partir de maintenant, que je suis un peu choqué. Là, c'est un petit peu trop. Là, j'avoue que je suis un peu choqué. Il en fallait beaucoup, mais là, ça va. Moi, c'est à partir de son jeu d'acteur que j'ai été choqué. Et pourtant, dans les prisons japonaises, il existe une salle encore pire que les précédentes. Ce sont les salles qui résident dans ce qu'on appelle... le couloir de la mort. La peine de mort est toujours en vigueur et appliquée au Japon. Et cela ne semble pas être l'objet d'une quelconque réforme dans les années à venir. Tout à l'heure, je vous ai dit que 99% des prisonniers japonais travaillaient, c'est parce que le dernier 1%, il s'agit justement de ces condamnés à mort. Ils n'ont pas le droit ni au travail, ni aux sorties, ni à côtoyer d'autres détenus. Ils sont vraiment traités différemment. Ouais. Et rappelle en plus les gens que... pour justement les droitards, les plus droitards d'entre vous, les gens qui ont fait des crimes, ils méritent d'aller en prison. Rappelle que là-bas, si t'es accusé de quelque chose, comme ils veulent des stats, ils veulent pas descendre en dessous de leur 96% oui, t'es forcément, si on enquête, et ben hop, c'est toi, ben ils te forcent à avouer en te torturant. Donc c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'innocents en plus dans les prisons japonaises qui est au-delà de la moyenne des autres pays. Donc en plus, ça veut dire que même si vous dites « Ah oui, c'est bien mérité », bah vous voyez bien qu'il y a un problème, quoi. C'est-à-dire que oui, tu peux être full innocent. Et d'ailleurs, les bandeurs « Ah oui, j'adore le Japon, je vais aller au Japon », sachez qu'en plus, si vous êtes un étranger, vous avez encore plus de chances de finir comme ça. Mais surtout, il n'y a pas de criminalité au Japon. Il n'y a aucune criminalité. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Oui, ils ont joué à Yakuza. Ça, c'est un documentaire que je vous ai... Ah ouais, documentaire de fou, Yakuza. Documentaire de gauche. Hein. Ouais. Le moment où tu tapes les gens en leur vomissant dessus, là. Décrit précédemment, c'est parce qu'au Japon, on n'offre pas la possibilité aux condamnés à mort de savoir quand ils vont être exécutés. Ils ne l'apprennent que le matin même. Ah oui, non mais moi je fuis dans une mallette aussi. Hein. Ah ouais, de fou la malle. J'espère que Léa Salamé m'interview en disant « Un peu stylé, frère. » Ah ouais. Stylé un peu. Tous les gosses vous kiffent. Un garde se place devant leur porte et c'est là où ils savent que leur fatidique est arrivée. Oh. Il a l'air bien ce manga. Après, qui a la rêve ? Limite, dans cette prison-là, moi je suis heureux. Enfin, va me laisser beaucoup. Je pense que vous êtes d'accord pour dire que c'est assez horrible comme système, mais alors pourquoi la date n'est pas définie à l'avance ? C'est pour éviter toute tentative d'évasion de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais non, c'est de la torture, frère. C'est juste pour les torturés qui font ça. D'ailleurs, dans Shogun, ils le montrent, ça. Où ils foutent tous les mecs qui vont tuer, ils les mettent tous ensemble et ils viennent en choper un de temps en temps au pif. Tu sais, c'est vraiment l'horreur dès que les gars ils rentrent, ils sont tous en train de... Et en plus, ils les ébouillantent. Hein. Tu sais, c'est pas genre il est... Ouais, tranquille, là, j'adore, mais Dani, tu dis de la merde. C'est tranquille, le Japon, j'adore le Japon, c'est incroyable, le Japon. Ouais, Dani, tu rajoutes le Japon, c'est trop bien. Le japonais est super. C'est trop bien, vive le Japon. Comme j'aime Elden Ring, et ben, j'arrive pas à dire que ce pays peut faire des choses horribles. Tout est bien au Japon. Quoi qu'il en soit, pour les résidents du couloir de la mort, le matin, à une certaine heure, tous prêtent particulièrement attention au bruit de pas. Oh, t'imagines, tu dois tellement dire. J'espère qu'il va aller voir le voisin. Bah non, j'espère qu'il va venir me voir. Moi, ça fait 4 ans que je regarde un mur, là. C'est bon, libérez-moi, frère. C'est à votre tour. Et ce stress quotidien, il peut durer des semaines, des mois, des années, des dizaines. Arrête. Avec sa tête, là. Non, mais arrête. Du coup, ça me fait peur. C'est tellement goofy. En fait, tu te réveilles dans une salle et Louis-San te regarde comme ça. Imaginez un peu. D'années avant que la sentence arrive. Et sans surprise, il s'agit d'une torture mentale dévastatrice chez les principaux concernés. Mais le Japon n'en a que faire, car après tout, ces personnes qui vivent dans ce couloir... On dirait un film d'horreur, bah oui. Bah... Oh, on dirait une vidéo sur la prison au Japon. Oh, on dirait un carré rouge dans un carré rouge. On commet les pires atrocités. Ah, et selon la... La justice ne mérite même plus la vie. Pour ce qui est de la sentence en elle-même, au Japon, elle est toujours faite par pendaison. Il y a une procédure extrêmement lourde et précise à suivre avec une quinzaine de matons, mais le plus célèbre,
c'est la salle aux trois boutons. Trois agents pénitentiaires appuient simultanément sur trois boutons. Un seul libère la potence. Ah, comme ça, on sait pas qui a tué. Mais c'est horrible, tu culpabilises deux gars pour rien. Bah oui. Complètement con. Bah oui. Tiens, il y a deux mecs qui sont en mode, j'ai sûrement tué quelqu'un. Bah oui. Je le saurais jamais en plus, je peux même pas être sûr. Ce mécanisme est là pour réduire la détresse mentale ressentie par les agents pénitentiaires. Car avec lui, il... Mais peut-être qu'il faudrait arrêter de faire des trucs comme ça. C'est ça qui est horrible en plus. En fait, ça qui est affreux dans la prison, c'est que même le personnel et tout, là, frère, c'est quoi ce taf là? Tu deviens fou, quoi. Tu sais, c'est comme dans les abattoirs, quoi. Genre les gens qui doivent faire les qui travaillent dans les abattoirs, c'est pareil quoi, genre les conditions de travail et tout, tu vois, c'est des trucs comme ça où t'es en mode, mais l'être humain réfléchit des fois, parce qu'on regarde ces vidéos là hein, comme ça, on se dit ah oui d'accord, ok, oh, l'humain est badant, mais c'est quand même une dinguerie, on est vraiment des fils de pute hein, on a rien fait de normal ou de cohérent quoi, et on laisse faire, voilà, c'est comme ça, allez hop. Et on regarde des vidéos, ah ouais, c'est vraiment bizarre. T'as allé au Japon militer contre les prisons Ouais, vas-y, je vais faire ça. Je vais en prison. Après, je regarde un mur. Il y a eu un moment après, gros, Miss France un peu là. Je vais jamais manifester du coup, parce que j'ai pas envie de finir devant un mur blanc, frère, à me dire pourquoi j'ai fait ça. Avec toutes ces règles, je me suis demandé si le Japon avait des bons résultats concernant le taux de récidivistes. Et à ma grande surprise, il est extrêmement élevé. 49,1%, ce qui veut dire qu'en moyenne, sur deux personnes qui sortent de prison, une d'entre elles y retournera. Et si le Japon se justifie en disant qu'il y a très peu de primo-délinquants, ça reste tout de même plus élevé qu'en France. Pour vous donner une idée, en France, on est entre 10,7% et 45%, soit jamais au-dessus du seuil du Japon. Alors si la sécurité si précieuse pour le Japon est obtenue par l'ordre, la discipline ainsi qu'à la fermeté des prisons japonaises, la prison doit surtout rester un lieu de réhabilitation des citoyens pour les préparer au mieux à réintégrer la société. Et en ce sens, la prison japonaise est un échec. Pour finir, je vais me permettre de citer Yves Roumageon qui disait « Tant que les prisons n'auront pas changé, tout homme qui y entre aura une chance de recommencer. » Ça va, c'était bien. Envie de me sépou court.